Dirigeants religieux, séminaristes et croyants, assistant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, je vous souhaite sincèrement la bienvenue. Je suis Choi Young-gu et je serai votre présentateur. La dernière fois, nous avons étudié les paroles concernant la réalité du Fils qui reçoit l'héritage de Dieu à travers un instructeur de la tribu de Barthélemy. La raison pour laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, peut témoigner du sens et de la vraie réalité des paraboles est tout d'abord que comme le temps promis est venu, toutes les paraboles ont été ouvertes clairement, et qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu aux côtés de Jésus tous les secrets du royaume des cieux qui étaient cachés. Aujourd'hui, je prie pour que vous acquériez une précieuse réalisation en vérifiant les paraboles et les paroles de l'accomplissement physique de l'Ancien et du Nouveau Testament par chapitre, et nous allons prier tout d'abord avec le même cœur. Dieu notre Père, qui a créé le ciel et la terre et qui contrôle la vie et les bénédictions de tous les êtres humains. Nous vous remercions sincèrement de nous permettre de témoigner de la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre aujourd'hui. En ce temps, tous les dirigeants religieux, les séminaristes et tous les croyants qui écoutent cette parole dans le monde entier, accordez-leur les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin que ce soit un moment plein de grâce. Et contrôlez la bouche de l'instructeur qui témoignera de la parole. Nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant témoigner des paraboles et de leur accomplissement physique. Aujourd'hui, je vais témoigner des paroles de la leçon numéro 21, la persécution et Shincheonji, le royaume de la victoire. J'espère qu'au cours de ce temps, vous pourrez ouvrir grand votre cœur et acquérir une précieuse réalisation lorsque vous écouterez la parole. Nous allons accueillir l'instructeur Tae-un Kang de la tribu de Matthieu qui délivrera la parole aujourd'hui. Dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Tae-un Kang, le chef de l'église Mansu de la tribu de Matthieu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Merci beaucoup de votre participation à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole de Dieu que vous allez méditer avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 21, la persécution et Shincheonji, le royaume de la victoire. La référence principale est Jean chapitre 8, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 25, Jean, chapitre 16, Apocalypse 7, Apocalypse 14 et Apocalypse 21. Concernant la persécution et Shincheonji, le royaume de la victoire, que nous allons étudier aujourd'hui, les dirigeants religieux ont beaucoup lu la Bible, donc certains d'entre vous savent peut-être déjà ces choses et d'autres ne savent peut-être pas. Mais écoutez attentivement mon cours et j'espère que vous réaliserez la volonté de Dieu avec précision au cours de ce temps. D'abord, regardons la persécution. En regardant les cas de persécution dans la Bible, on voit qu'il y a deux types de dieux dans le ciel et sur la terre. L'un est le Saint-Esprit de Dieu et l'autre est l'esprit du mal qui a trahi, soit le diable. Le diable a trahi Dieu à cause de son désir de devenir Dieu, et c'est ainsi qu'est apparu l'esprit du mal qui a trahi. L'esprit du mal qui est apparu de cette manière a trompé Adam, et Adam est finalement devenu la possession du diable. À cause de la trahison d'Adam,
Dieu a quitté la terre, comme on le voit dans Genèse chapitre 6. En conséquence, le diable a finalement pris le contrôle du village planétaire. Au milieu de tout cela, l'œuvre de Dieu de restauration de la terre a commencé. Dieu a envoyé ses messagers à chaque époque et les a fait témoigner de la volonté et du dessein de Dieu. À cette époque, le diable a résisté à Dieu afin de ne pas se faire prendre le village planétaire. Alors, deux types de dieux se sont battus à chaque époque et au final, les messagers de Dieu ont été persécutés et tués par les pasteurs de ce monde. Après le péché d'Adam, ce monde est devenu le monde du diable, contrôlé par le dieu du diable. Donc, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu et les messagers de Dieu ont subi la persécution à chaque époque. C'est précisément l'histoire de la persécution dans la Bible. À travers cela, nous pouvons clairement voir que ceux qui persécutent appartiennent au diable et ceux qui sont persécutés appartiennent à Dieu. Comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 5, versets 9 à 12, Jésus a dit que les artisans de paix sont bénis et sont les fils de Dieu. Et le royaume des cieux appartient à ceux qui ont été persécutés à cause de la justice, et tous les apôtres et les prophètes ont subi la persécution. Ceux qui appartiennent au diable persécutent comme le diable, et à travers ces actions, nous pouvons clairement distinguer qui appartient à Dieu et qui appartient au diable. Ainsi, ceux qui appartiennent à Dieu ont subi des persécutions dans toute l'histoire de la Bible et le premier avènement est l'époque représentative de ces événements. Pour comprendre la persécution au premier avènement, lisons la parole de Jean, chapitre 8, versets 44 à 47. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Jean 8, verset 45, lors du premier avènement, Jésus a témoigné de la vérité et prêché la loi de la liberté. Et comme dans Jean, chapitre 8, verset 51, Dieu a promis la vie éternelle, qui est la volonté de Dieu. Au contraire, les prêtres de Jérusalem ont menti, comme dans Jean, chapitre 8, verset 44, et ont insisté sur la loi de Moïse. Et au lieu de croire à la vie éternelle, ils ont persécuté Jésus qui parlait de la vie éternelle. Jésus a dit aux prêtres de Jérusalem, « Le diable est votre père, et vous aussi vous mentez comme votre père le diable. » Les prêtres de Jérusalem à cette époque, qui étaient nés de la semence du diable, disaient des mensonges. Au milieu de cela, Jésus, qui est né de la semence de Dieu, a témoigné de la vérité, mais les prêtres de Jérusalem au premier avènement n'ont pas cru à la vérité. Pourquoi n'ont-ils pas cru à la vérité? La raison en est que comme le dit Jean, chapitre 8, verset 47, les prêtres de Jérusalem à cette époque n'appartenaient pas à Dieu, mais au diable. Au final, les prêtres de Jérusalem au premier avènement
ont persécuté et tué Jésus et ses disciples. À travers cela, nous pouvons donc clairement voir que les prêtres de Jérusalem au premier avènement appartenaient au diable. Cependant, ces persécutions ne se terminent pas avec le premier avènement et elles continuent à ce jour, au temps du second avènement. Quelle sera la réalité du monde de la foi au temps du second avènement? Quand nous regardons Matthieu, chapitre 13, verset 39, nous voyons que Jésus faisait référence au temps de la moisson comme à la fin du monde. C'est précisément le temps du second avènement. Le monde qui prendra fin au second avènement est le monde de la foi dans lequel Jésus a semé la semence de la parole de Dieu. La raison pour laquelle le monde de la foi prend fin est que la réalité est la même que les paroles de Luc, chapitre 18, verset 8. Jésus a parlé de la réalité du monde de la foi à travers Luc, chapitre 18, verset 8. Lisons Luc, chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Lorsque le Fils de l'homme vient, c'est précisément le temps du second avènement. Dans Luc, chapitre 18, verset 8, Jésus a prophétisé sur la réalité du monde de la foi au second avènement, et dans cette réalité, il est dit qu'il n'y aura pas de croyants et qu'ils seront corrompus et rebelles. La raison pour laquelle il n'y a pas d'hommes qui ont la foi est parce que, comme dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, ils ajoutent et retranchent tous à l'Apocalypse. Mais pourquoi les églises traditionnelles ajoutent-elles et retranchent-elles à l'Apocalypse? La raison se trouve dans Apocalypse, chapitre 5. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 5, il y a un livre scellé de sept sceaux dans la main droite de Dieu. Ce livre est l'Apocalypse de Jean. Et comme la parole qui dit que parce qu'il est scellé, personne ne peut l'ouvrir ni le regarder, c'est une réalité que tout le monde y ajoute et y retranche, car personne ne connaît l'Apocalypse. En conséquence, toutes les nations sont finalement tombées en raison du vin de l'impudicité, c'est-à-dire les fausses doctrines et les commentaires, comme dans Apocalypse chapitre 18, versets 3 et 23, et elles ont épousé le diable. Telle est la réalité du monde de la foi au second avènement, comme prophétisé dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, comme ces prophéties, les églises traditionnelles du monde ont ajouté et retranché à l'Apocalypse et ont épousé l'esprit du diable. Et puisque le Nouveau Testament a prophétisé que ceux qui ont épousé le diable persécuteront, regardons la persécution lors du second avènement prophétisée dans le Nouveau Testament. À cet égard, lisons Matthieu chapitre 10, versets 17 à 18. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Dans Matthieu 10, Jésus a prophétisé qu'il y aurait des persécutions pour les missionnaires de Dieu. Il a averti que ceux qui appartiennent au diable livreront les missionnaires de Dieu à la synagogue et les fouetteront dans la synagogue, et en conséquence, ceux qui appartiennent à Dieu seront menés devant les gouverneurs et les rois, c'est-à-dire les autorités du monde, et seront persécutés. C'était la prophétie concernant la persécution à laquelle les disciples seraient confrontés en ce temps-là, et en outre, la persécution que les missionnaires de Dieu recevraient lors du second avènement.
Selon cette prophétie, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a subi des perquisitions avec saisie et des arrestations aujourd'hui, et c'est précisément la persécution lors du second avènement prophétisé dans le Nouveau Testament. Et comme nous l'avons vu dans Matthieu 25, lors du second avènement, il y a des croyants comme des brebis. Ce sont ceux qui se sont occupés de leurs frères quand ils étaient en prison. Et des croyants comme des boucs, ce sont ceux qui ne se sont pas occupés de leurs frères quand ils étaient en prison. Ce que nous pouvons en déduire, c'est qu'il y aura un temps où les missionnaires de Dieu seront emprisonnés au second avènement. Comme dans ces prophéties, les missionnaires de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, ont aujourd'hui été emprisonnés, ce qui est la persécution au second avènement prophétisée dans le Nouveau Testament. Et Jésus a prophétisé que le peuple de Dieu serait sacrifié à travers Jean chapitre 16, versets 1 à 4. Il a été dit que ceux qui sont devenus un avec le monde persécutent et même tuent le peuple de Dieu, considérant cela comme un culte à Dieu. Cette prophétie s'est également réalisée aujourd'hui. Et en raison de la persécution, quatre des fidèles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été tués. C'est vraiment très malheureux, mais comme ce que Jésus a prophétisé dans Jean 16 s'est réalisé, Dieu et Jésus leur rendront selon leurs œuvres. De plus, comme nous l'avons vu dans Luc chapitre 17, verset 25, Jésus a prophétisé qu'il, soit le pasteur promis, souffrirait beaucoup et serait rejeté par cette génération. Jésus, qui revient en esprit, a prophétisé concernant la personne avec qui il serait, il, c'est-à-dire le pasteur promis du Nouveau Testament. Ce pasteur promis souffre beaucoup et est abandonné par l'Église traditionnelle. À quelle époque cette parole s'est-elle accomplie? Cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Et comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 11, le témoin que Jésus a établi, soit le pasteur promis du Nouveau Testament, sera spirituellement tué par la bête de l'abîme. Comme dans ces prophéties, le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, a subi beaucoup d'épreuves et de persécutions, et en reçoit toujours aujourd'hui. Le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, a également enseigné la Bible sur la volonté et le but de Dieu et de Jésus, la vie éternelle, selon la Bible. Mais la réalité est que les pasteurs des églises traditionnelles n'y croient pas, traitent de sectes et persécutent. De cette façon, les pasteurs et les membres des églises traditionnelles au second avènement deviennent un avec les gens du monde, et persécute le pasteur promis et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. C'est la persécution au second avènement prophétisée dans le Nouveau Testament, selon Matthieu chapitre 10 et Matthieu chapitre 25, Jean chapitre 16 et Luc chapitre 17. Grâce à cela, nous pouvons connaître la réalité des persécuteurs et de ceux qui sont persécutés aujourd'hui. La réalité de ceux qui persécutent aujourd'hui sont les dirigeants religieux et les membres de l'Église traditionnelle d'Apocalypse 6. Ils déforment la parole des promesses de Dieu, sont hostiles inconditionnellement à ceux qui ne leur appartiennent pas, les menaçant et les persécutant à tout bout de champ. Ce sont les fils du diable qui n'ont pas été moissonnés, et parce qu'ils sont nés de la semence du diable, ils ne sont pas moissonnés et persécutent comme le diable. Alors, qui est la réalité de ceux qui sont persécutés aujourd'hui?
Oui, c'est ça. La réalité est précisément les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple dans Apocalypse 7. Ce sont ceux qui sont nés de la semence de Dieu et ce sont les fils de Dieu qui ont été moissonnés selon la promesse d'Apocalypse 14. Les moissonnés et les non-moissonnés seront clairement divisés à la fin du monde, qui est le temps de la moisson, selon les paroles de Matthieu chapitre 13, 24 à 30 et 37 à 39. Les fils du diable qui ne faisaient que persécuter sont finalement brûlés et les fils de Dieu moissonnés surmontent toutes les persécutions et reçoivent les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle. De cette façon, le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, seront victorieuses. Regardons le processus de victoire et Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de la victoire. La victoire, c'est gagner à la guerre, n'est-ce pas? Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 13, il y a une première guerre. En ce temps-là, en raison de la trahison du peuple élu, ceux qui appartiennent au diable gagneront et cela conduira à la deuxième guerre à travers Apocalypse 12. Lisons Apocalypse 12, versets 9 à 11 pour réaliser le résultat de la seconde guerre. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Apocalypse chapitre 12 parle de la seconde guerre et en conséquence, le pasteur promis, le vainqueur et ses frères ont combattu et vaincu le groupe du dragon avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage. C'est la victoire de ceux qui appartiennent à Dieu dans la guerre spirituelle. Bien que la première guerre ait été perdu par le peuple élu qui a trahi, la deuxième guerre a pu être remportée avec la vérité parce que le vainqueur et ses frères qui appartiennent à Dieu ont combattu jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont combattu et vaincu le dragon ainsi, maintenant, le royaume de Dieu et le salut ont commencé. Jusque-là, il n'y avait ni royaume ni salut de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont combattu et vaincu le groupe du dragon, maintenant il y a le royaume et le salut de Dieu. Le royaume de Dieu créé par la victoire en ce temps-là a été établi sous le nom de Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, comme promis dans Apocalypse 15. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, ainsi armé de la parole de vérité, a vaincu la persécution et à la guerre et a été créé selon l'Apocalypse, la nouvelle alliance. Et Dieu a accompli l'œuvre du salut et du jugement à travers les vainqueurs. Donc, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 15 et Apocalypse 16, les vainqueurs dans Apocalypse 12, soit les vainqueurs de Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, sont devenus les sept coupes et ont jugé les traîtres et les destructeurs. Dieu a fait de ceux qui ont combattu et vaincu le groupe du dragon des coupes de la colère et a déversé sa colère sur les traîtres et les destructeurs pour les juger. Ainsi, au final, comme dans Apocalypse 18, Babylone, le royaume des démons, sera jugé et prendra fin. Et après le jugement de Babylone, il y aura les noces de l'agneau dans Apocalypse 19.
Ici, le bœuf de Dieu et la bête grasse, soit les traîtres et les destructeurs, sont jugés et capturés, et des personnes sont invitées. Il y aura un festin dans le ciel avec Dieu et Jésus, ainsi que les anges et les esprits martyrs. Et enfin, dans Apocalypse 20, le dragon est attrapé et enfermé dans l'abîme, et il y a la première résurrection. Qui participera à la première résurrection en ce temps-là? Ceux qui participent à la première résurrection sont les esprits, soit les esprits martyrs, et les chairs qui n'ont pas reçu la marque de la bête et ont survécu, qui ont participé au festin de noces d'Apocalypse 19. Ces esprits et ces chairs deviennent un, entrent dans la première résurrection et règnent pendant 1000 ans. Comme les sous-fifres du dragon sont capturés dans Apocalypse 19, il n'y a plus de soldats pour aider le dragon. Donc, au final, le dragon prend fin et le règne de Dieu et le monde de paix s'accomplissent. Puisque le diable a régné pendant 6000 ans après le péché d'Adam, cette terre n'était pas remplie de paix, mais de persécution et de guerre. Cependant, quand tout ce travail du diable prend fin, Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, le royaume victorieux selon la Bible, sera établi. Et Dieu viendra à Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, comme promis, dans Apocalypse 21, versets 1 à 6. Alors lisons Apocalypse 21, versets 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Le premier ciel et la première terre, qui est l'ancien monde corrompu, passera, et un nouveau ciel et nouvelle terre seront créés. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shincheonji, est le royaume victorieux qui a vaincu par la vérité. Le fait que nouveau ciel et nouvelle terre, Shincheonji, ait été établi selon le processus promis de l'Apocalypse à travers le pasteur promis le vainqueur est la preuve certaine que nous avons vaincu avec la vérité. Et Dieu et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le royaume des cieux du monde spirituel, viendront au nouveau ciel et à la nouvelle terre. En conséquence, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shincheonji, il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleurs. Donc, Dieu et Jésus accomplissent tout selon leurs promesses. C'est la volonté et le but de Dieu et de Jésus et l'espoir de tous les croyants. Alors, que doivent faire les croyants pour réaliser cet espoir? Oui, c'est ça. Il faut venir à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume victorieux où il y a la plus grande vérité. Actuellement, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a scellé 144 000 des 12 tribus, comme dans Apocalypse 7, versets 1 à 8, et comme dans Apocalypse 7, versets 9 à 14, après que les 144 000 sont scellés, une multitude en blanc indénombrable est en train de sortir de la grande tribulation. À cette fin, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji,
témoigne au monde entier des prophéties et de la réalité de l'Apocalypse à travers des conférences en ligne basées sur le principe des 6 questions de base. En entendant cela, les pasteurs du monde entier sont étonnés, reconnaissants et l'accueillent comme la vraie vérité. Et plusieurs églises et dénominations ont déjà signé un protocole d'entente avec Novocel Nouvelle Terre Shinchenji et d'autres sont en attente de signature. Beaucoup de personnes viennent à Novocel Nouvelle Terre Shinchenji pour apprendre la vérité ainsi. Il y a donc eu une cérémonie de remise des diplômes avec 100 000 personnes en 2019 et une autre cérémonie de remise des diplômes de 100 000 personnes est en préparation pour la fin de cette année. Comment cela peut-il être possible par la force humaine? C'est possible parce que Dieu et Jésus sont avec Novocel Nouvelle Terre Shinchenji. Ce que nous pouvons en déduire, c'est que le royaume de la victoire qui a été créé selon la Bible et qui a vaincu la persécution est constitué par les 12 tribus de Shinchenji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage. Les 12 tribus de Novocel Nouvelle Terre Shinchenji, Église de Jésus, ont subi la persécution comme prophétisé dans Matthieu 10 et Matthieu 25 et Jean 16, mais ont vaincu car elles ont la plus grande vérité. Et puisque Novocel Nouvelle Terre Shinchenji témoigne au monde entier de la nouvelle de cette victoire selon la Bible, si vous êtes un vrai croyant, vous ne devriez pas juger par la puissance et le nombre de personnes, mais choisir l'endroit où se trouve la vraie parole de vérité et marcher sur le chemin de la foi. Devenons tous ceux qui ont la foi que Dieu et Jésus reconnaissent, afin que nous puissions recevoir les bénédictions du royaume des cieux et la vie éternelle. Voyons la conclusion d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu à travers la Bible, il y a eu des persécutés et des persécuteurs à chaque époque. Ceux qui persécutent à chaque époque appartiennent au diable et ceux qui sont persécutés à chaque époque appartiennent à Dieu. À chaque époque, ceux qui appartiennent à Dieu ont été persécutés et ceux qui appartiennent au diable ont menti et persécuté comme dans Jean chapitre 8. Par ces actions, nous pouvons clairement distinguer qui appartient à Dieu et qui appartient au diable. Une telle persécution existe encore aujourd'hui. La réalité de ceux qui persécutent aujourd'hui sont les pasteurs et les membres de l'Église traditionnelle dans Apocalypse 6, et la réalité de ceux qui sont persécutés aujourd'hui est le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus d'Apocalypse 7. Nous devons réaliser que la persécution d'aujourd'hui s'est accomplie selon les prophéties du Nouveau Testament. À cette époque, il y a un royaume victorieux qui a été créé selon la Bible et qui vainc la persécution. Sa réalité est les 12 tribus de Shinchenji, Église de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage. Les 12 tribus de Novocel Nouvelle Terre Shinchenji, Église de Jésus, sont le royaume victorieux créé selon la promesse de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, malgré toutes sortes de souffrances et de persécutions. Il a été créé en moissonnant selon Apocalypse 14 et en scellant selon Apocalypse 7. Et comme dans Apocalypse 21, Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel viennent à Novocel Nouvelle Terre Shinchenji et deviennent un, et Dieu règne pour toujours. En entendant cela, si vous appartenez à Dieu, vous vous réjouirez, aurez de l'espoir et viendrez à Novocel Nouvelle Terre Shinchenji pour devenir un. Mais si vous appartenez au diable, vous ne serez pas content et continuerez à persécuter à tout bout de champ. Appartiens-je à Dieu ou au diable? Nous devons nous introspecter et appartenir à Dieu et devenir un dans la vraie vérité. Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants, avez-vous bien écouté la parole d'aujourd'hui? La prochaine fois, nous verrons la leçon intermédiaire numéro 22, la loi de la nouvelle alliance à garder. La référence principale sera Hébreux chapitre 8. J'espère que ce sera pour vous un moment précieux pour réaliser clairement ce qu'est la loi de la nouvelle alliance que nous devons observer aujourd'hui
La réalité de ceux qui observent la loi de la Nouvelle Alliance et de ceux qui ne l'observent pas, et les conséquences. La personne qui donnera la conférence la prochaine fois sera en mesure de prêcher la parole bien mieux que moi. J'espère que nous nous reverrons la prochaine fois avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation. Enfin, nous terminerons en clamant « We are one », nous sommes un, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, et abondant en amour et en grâce, nous vous rendons grâce et gloire pour avoir ouvert la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons regardé la leçon intermédiaire numéro 21, la persécution, et Shincheonji, le royaume de la victoire. À chaque époque, il y a eu des cas de persécution par ceux qui appartiennent au diable, et il y a aussi des persécutions selon la Bible aujourd'hui. Cependant, au milieu de cela, nous avons réalisé que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a été victorieux avec la vérité, et à travers cela, le règne de Dieu et un monde de paix sont accomplis. S'il vous plaît, guidez-nous afin que nous puissions tous entrer dans cet espoir. Nous prions que tous les dirigeants religieux et croyants du monde entier rencontrent le vrai Dieu à travers la parole et deviennent la joie et la gloire de Dieu et de Jésus. Que Dieu soit avec toutes les personnes qui ont participé pendant ce temps, dans leur cœur et leur esprit, afin qu'elles puissent conserver leur force spirituelle et physique et prospérer en toutes choses. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus, qui nous a conduits de la mort à la vie. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. À travers la conférence d'aujourd'hui, j'espère que vous apprendrez pourquoi Dieu a conclu une alliance avec les hommes et quelle est l'alliance que nous devons respecter et comment la respecter et quelle en sera le résultat. Il a dit qu'il ne mangerait plus cette nourriture de la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, quelle est la nourriture de la Pâque consommée dans le royaume de Dieu? La réalité de ceux qui gardent la Nouvelle Alliance est précisément consignée dans les prophéties des quatre évangiles et l'Apocalypse du Nouveau Testament. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu sur le thème de la loi de la Nouvelle Alliance à garder. Ce sera à 10h, comme aujourd'hui. J'espère que vous serez en mesure d'assister aussi la prochaine fois et que vous et moi serons qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux tant désiré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. De plus, de nombreux pasteurs et dénominations à travers le monde ont montré un grand intérêt pour la parole à travers les conférences sur l'Apocalypse, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance de Dieu, et les conférences du niveau introduction, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, et signe des protocoles d'entente pour devenir un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et ses doctrines, veuillez contacter le numéro représentant de chaque tribu affiché à l'écran maintenant. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons conclure cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji.
Je vais prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement à tous ceux qui ont été avec nous.